Salut à tous les amis, donc là on commence une vidéo très rapidement, oui. Là on a pris la caméra, j'ai sauté dessus parce que Lily Rose me dit que là, parce qu'elle était en train de se reposer, tout ça, parce ouais. qu'il commence à être tard, tout ça, là elle a mis ses chaussures parce qu'elle est ultra stressée, elle me dit qu'il faut partir d'ici absolument, oui. parce qu'elle entend des bruits devant, oui par là. La porte, enfin, enfin c'est pas par, la... pas par la porte mais par la fenêtre, attends c'est qui? Peppa Pink. Mais c'est Peppa Pink qui nous appelle, qu'est-ce qu'il veut? Allô? Attends, je te mets en haut-parleur là. Ouais, allô? Ouais. Avec Lily Rose? Ouais, je suis avec Lily Rose, pourquoi? Bon, écoute, pose pas trop de questions. Viens tout de suite avec Lily à la voiture. Je vous attends. Comment ça, viens tout de suite? Attendez. Attends, il me demande. Il me demande. Je serai à la voiture, t'inquiète. Attends, il me demande de venir tout de suite à la voiture là. Mais vite, tu peux y aller? Attends, il a raccroché. Il a raccroché, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vite! Attends, mais pourquoi on doit venir tout de suite? Non, mais attends, Lily Rose, on peut pas y aller comme ça. Bah, tu dois dormir et tout, demain il y a école. Mais c'est pas grave, je dormirai quand même. Ouais, mais non, mais. Enfin, ouais, parce qu'on entend des bruits, justement, voulez-vous dire devant la fenêtre de Lily Rose, ouais. juste là, comme ça. Et t'entends quoi comme genre de bruit? Bah, je sais pas, des. Comme ça, des. Mais de quoi? Mais. Bah, je sais pas. Attends, mais il y a personne. C'est pas possible, il fait noir et tout. Et en plus, il y a le couvre-feu, et Lily aussi, Rose. Il y a quand même. Attends, mais attends. Non, mais parce qu'il y a le couvre-feu pour ceux qui savent pas. Bon, on est en France, pour ceux qui habitent ailleurs qu'en France. On peut plus sortir à partir de 23h. Et là, il est plus de 23h, tu devrais dormir. Bah oui, je sais. Bon, allez, vas-y, on va sortir, on va voir ce qu'il y a devant et on va voir ce que Peppa Pink. C'est quoi ça? C'est toi qui as installé ça, Lily Rose? Non, mais c'est pas possible. Quand je suis rentré dans ta chambre, il y avait pas ça. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh oh! Quoi? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais Lily Rose, c'est toi qui as mis ça ici? Mais non, c'est pas moi. Il y a quelque chose qui veut bloquer la porte ou quoi? Mais... Alors là franchement les amis, je suis stupéfait, je suis ultra surpris. Mais qu'est-ce que c'est? Lily Rose, arrête de faire tes têtes bizarres là. J'ai pas envie de discuter. Bon attendez, je vais passer. Mais c'est scotché. C'est scotché ici. Oh, vas-y, on va rejoindre ouais. Peppa Pink. Il doit être dans la voiture, tout ça. La voiture en plus elle est même pas près d'ici. Je sais pas où elle est. Attends, mince, il y a quelqu'un qui m'appelle. Encore Peppa Pink. Qu'est-ce qu'il me veut? Allô? Bon, vous dépêchez ou quoi? De quoi vous vous dépêchez? Tu te rends compte? Attends, je rentre dans la chambre. Comme ça Lily Rose nous entend pas. Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe là? Bon, je pense qu'il y a un souci avec la sorcière ou un truc comme ça. Mais avec quelle sorcière là? Parce que Lily Rose, elle me parle qu'elle entendait, elle me dit qu'elle entend des bruits devant sa chambre à la fenêtre, comme des frottements, comme un truc qui essaierait de monter au mur de notre maison. Tu penses que c'est un... T'es garé où? Je suis dans la rue juste à côté. Ok, tu bon. Tu sors de la maison, tu vas à droite. On arrive. Attendez, on arrive. Non mais attendez les amis, il y a pas de problème ici. Il n'y a rien. Bon, là, il faut à tout prix qu'on trouve quelque chose. Il faut à tout prix qu'on trouve une solution. Et qu'on trouve un endroit où dormir correctement. Sans toutes ces histoires-là. Même ce papier bulle, c'est trop étrange. Lily Rose, vas-y. Attends, vas-y. Il n'y a pas des choses à prendre ici. Non. Là, il n'y a pas de bruit. Bon, allez. Allez, vite. On y va. Dépêche-toi. On y va, c'est parti. Allez, c'est chaud. Allez, go. Bon, les amis, ça y est, on est dans la rue. J'ai cru qu'elle avait lâché une caisse et tout. Alors qu'en vrai, qu'est-ce qui a fait ce bruit là? Non, c'est un gravier qui a fait ma chaussure. En plus, ça pue les égouts. Enfin bref, attends, vite, on va aller par là. Non mais elle est morte de rire. Alors que bon, on cherche la voiture de Peppa Pink, ouais. on la trouve ouais. pas. Il nous a dit qu'il était garé dans la rue d'à côté et aucune trace de lui. Non mais ouais. Lily Rose. Oui. C'est en t-shirt. On est parti de chez nous parce qu'il y a des gens qui mettent des trucs devant nos portes. Ouais. T'entends des bruits et elle prend même pas un manteau alors qu'on sait même pas combien de temps on va traîner ici. Ouais. Enfin bref, de toute façon on n'a pas le temps à perdre. Attends. Oh attends, tu vois ou pas? La sorcière à sandalette. La quoi? La sorcière à sandalette. La sorcière à sandalette. Non mais j'ai juré, il y a quelque chose là. Attends, j'ai juré. Attends, il y a une voiture. Non, mais il y a quelqu'un. Attends, c'est la sorcière ou quoi? Attends, non, traverse pas. Attends, je sais pas si je peux zoomer, traverse pas parce qu'il y a peut-être des voitures. Attends, viens, peut-être qu'elle nous voit pas. Cache-toi derrière le mur. Non, mais il y a quelqu'un là. C'est la sorcière ou quoi? C'est une blague. Attendez, parce que là-bas, il y a des gens aussi. Bon, vas-y, on avance, on la suit. Attends, non, Lily Rose. Commence pas à faire ta maline comme à chaque fois, où à chaque fois tu vas la voir et tu joues à côté d'elle. Ou je sais pas quoi. Là, non, c'est...
C'est pas le moment de rigoler là. Ok. Liros, tu fais pas ça. Je veux pas que tu fasses la maline parce qu'à chaque fois elle revient, elle fait le bazar chez nous, elle commence à prendre des affaires, etc. On sait pas ce qu'elle veut. Donc de toute façon, je te tiens par le t-shirt hein, parce que tu fais tellement de bêtises. Attends, reste là. Vas-y, on va se cacher derrière. Okay. Je vais appeler Peppa Pink pour savoir ce qu'il cache. Enfin, ce qu'il cache. Où il se cache surtout, parce que la seule chose qu'il cache pour l'instant, c'est lui. Allez, c'est parti. On va trouver la voiture et on va partir de cet endroit horrible où il y a des sorcières partout. Ouais. Appelle Peppa Pink. Désolé. Hein, j'appelle Peppa Pink. C'est bon. Vas-y. Là-bas, il y a un trou. Il y a un endroit où on peut se cacher. J'espère qu'il va répondre rapidement et qu'il va pas nous mettre un faux plan, partir sans nous parce qu'il a eu peur. Regardez, je mens pas, hein. Je l'appelle vraiment, ça c'est certifié. Mais il répond pas. Oui, allô. Alors, allô. Vous faites non mais on te cherche là, t'es pas du tout dans la rue d'à côté. T'es pas j'ai dû partir à Esteban à la va-vite. Ouais, mais maintenant je suis du côté des péniches. Du côté des péniches, mais pourquoi t'es parti par là? Et on a vu la sorcière, hein. On sait qu'elle est là maintenant. On l'a vu même Lily. Ouais, mais Lily Rose, elle croit que c'est une fausse, elle arrête pas d'aller là, elle veut aller la voir et tout. Dis-lui que c'est une vraie parce que. Vas-y, dis-lui. Oui, Lily Rose, tu m'entends? Oui. Oui, fais attention, c'est la vraie sorcière. C'est vrai? Bah oui, c'est la vraie sorcière. Bon, allez, c'est alors, parti. Attends, on fait demi-tour. Ouais. Enfin, on fait le tour et on se rejoint au niveau des péniches. Parce que bon, désolé les amis. Bon, à tout de suite. Désolé les amis pour la luminosité. Je filme en mode one shot, en mode automatique. Ouais. Allez, c'est parti. Il y a personne qui nous poursuit parce que des fois il y a plusieurs sorcières. On sait pas combien elles sont. Non, mais toi ça te fait rire. Moi ça me fait pas rire. C'est moi qui dois gérer les histoires après. Ouais. Attends. Chut. C'est elle. C'est elle ici. Non, chut. Attends, vas-y, viens. Allez, là, vite, Liros, pars là, cours. Je vais aller l'inter... Qu'est-ce que... Non, stop. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Non, je vous laisse pas tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... Je veux demander quelque chose à Lily Rose. Non, vous avez rien à demander à Lily Rose. C'est Pink Lily Vidéo. Non, c'est pas nous Pink Lily Vidéo. Ah bon? Vous partez. Voilà. Vous ressemblez bien pour... Allez, hop, dehors, ça suffit. On y va. Vite, Lily Rose. Attendez, les amis, je prends la caméra. Là, je sais pas ce que je filme. Je pars en courant, on va rejoindre Peppa Pink. Si la sorcière, elle veut bien parler à Lily Rose, moi, je veux pas y avoir de questions. Vas-y, les péniches sont là. Voilà, les péniches sont ici. On va rester là, tranquille. Ouais. Et on va attendre Peppa Pink. On va attendre Peppa Pink. Quoi? Tu sens le chocolat dans la bouche. Je sens ma bouche, elle sent le chocolat, ok. Bon, les amis, on se retrouve une fois qu'on a retrouvé Peppa Pink et à tout de suite, j'espère. C'est bon, on a retrouvé Peppa Pink. Vous êtes là? Oui, bah on est là. Juste là-bas, vous m'avez pas vu, vous avez vu la sorcière? Non, en même temps, tu me dis, tu me dis je suis garé à côté de la maison. Oui, ça va. Là, c'est pas à côté de la maison, on n'est pas à côté de la maison. Bon, alors... Bah de quoi alors? Passé? Ah oui, bah je l'ai bien vu, oui. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Je suis allé la voir, elle veut voir Lily Rose apparemment, ouais, la sorcière. Elle veut me dire des trucs. Moi, elle m'a plutôt un peu fait rire parce que, je sais pas, elle marchait bizarrement. Ouais, bah elle marchait bizarrement, mais en attendant, elle voulait quelque chose. Et elle est même entrée chez nous. Elle a mis du papier bulle devant la chambre de Lily Rose, là. Sérieux, elle a essayé de nous emprisonner? Une grosse catastrophe. Ah non, elle a pas voulu nous emprisonner, c'est du papier bulle. Ouais, elle essaie de vous faire peur, quoi. Ouais, bon, en tout cas, on peut rentrer chez nous ou pas? Bah oui, je pense à... Pourquoi tu voulais partir? Bah parce qu'il me semblait, je l'avais vu, j'avais vu une forme... Mais pourquoi tu voulais partir? Si c'est toi qui l'as laissé rentrer chez nous, là, elle a profité que t'étais pas là pour rentrer. Parce que je l'ai suivi, Esteban, j'ai suivi discrètement, c'est pour ça que je t'ai appelé. C'est bizarre. En te demandant de me suivre discrètement. On rentre. Franchement, je comprends rien à ces deux-là. C'est des fous. Il faut jamais leur faire confiance, hein, même si vous les croisez. Voilà les amis, c'est bon, on est dans la voiture. dans la rue.